Good morning, allez Yiden, l'excuse aujourd'hui, l'irfoua, fois révèle d'Ov ben Yehudi, Sarit, Raya, Batruk, Abed, Charles, Israël, ainsi que le Nishmat, Avram, Chayn, Robert, Ben Fortune, Mazan, Nachman, Yosef, Ben Chum, Yedida, Bet, Esarik, Onisim, Ben Chana, Machmouf, Micha, Ben Masouda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions le Sechet Meila, Perek Alef, Mishnah, Dalet. Maase damim, Bekoche, Kodashim, Le Hakel, ou Le Achmir. Bekodashim, Kalim, Kullan, Le Achmir. Keitzad. קודשי קדשים לפני זריקת דמים מועלין באמורין ובבשר. לאחר זריקת דמים מועלין באמורין ואין מועלין בבשר. על זה ועל זה חייבין משום פיגול נותר וטמא. ובקודשים קלים כולן להחמיר כיצד? קודשים קלים לפני זריקת דמים אין מועלין לא באמורין ולא בבשר. לאחר זריקת דמים מועלין באמורין ואין מועלין בבשר. ועל זה חייבין משום פיגול נותר וטמא. נמצא מעשה דמים בקודשי קדשים להקל ולהחמיר, ובקודשים קלים כולו להחמיר. Didactiquement, cette Mishnah, elle aurait dû, personnellement, si j'avais moi organisé les Mishnayot, je l'aurais mise d'abord en Mishnah Bet avant la Mishnah Gimel et Dalet. Parce que pour pouvoir comprendre la Mishnah Gimel et Dalet, on a eu besoin d'introduire toutes les notions qui sont exprimées dans cette Mishnah. La Gemara, elle explique dans quelques endroits que les Tanaïm, parfois, quand ils ont découvert une halakha, hein, alors, la Gemara dit dans Baba Kama Yudzayin Amud Bet que quelque chose qu'il a découvert, c'était tellement, il aimait tellement ce qu'il avait dit qu'il nous l'a dit d'abord en tout premier avant de nous donner des halachot qui étaient plus basiques et essentielles pour pouvoir comprendre le chidouche. Mais c'est des choses qui arrivent, d'accord? En tout cas, concrètement, tout ce qui est évoqué dans notre Mishnah, c'est des notions qu'on connaît, qu'on a déjà expliquées dans la Mishnah précédente. Le but de la Mishnah est de comparer les Kodshi Kadashim avec les Kodashim, en mettant l'exergue sur le fait que lorsque l'on va asperger le sang au Mizbeach, on va alléger la Gdusha des Kodshi Kodashim et on va aggraver la Gdusha des Kodashim Kalim. Et je m'explique. Dans les Korbanot, il y a deux familles, la famille des Kodshi Kodashim et la famille des Kodashim Kalim. La famille des Kodshi Kodashim, comme leur nom l'indique, saint des saints, ils sont super Kadosh, Kodesh Kadashim. C'est le saint parmi les saints. Tous les korbanot, c'est kadosh, il y a une gdusha, il y a une sainteté. Eux, ils sont les saints parmi les saints, la sainteté. Kodashim Kalim, c'est une sainteté facile, simple, calme, légère. Il y a plusieurs différences halachiques et une différence un peu plus philosophique, si on peut dire. Halachiquement, on est beaucoup plus strict avec les kodashim. La Torah, elle impose de les égorger spécialement dans Batsafon, dans la partie nord du Mizbeach. Pour les Kodesh Kodashim, un Israël ne mangera jamais de la viande de Kodesh Kodashim. Maximum les Kohanim, pas tout le temps. La Ola, elle est Kalil Lachem, elle est entièrement brûlée pour Hachem. Les Kodesh Kodashim, il y a les Kohanim pour manger une certaine part de viande, mais attention, ils la mangent dans l'enceinte du Mizbeach. D'une certaine manière, ils sont invités à la table du roi. Le roi, il a reçu le corban, il donne à manger à ses valets, à ses serviteurs. Et en l'occurrence, c'est les Kohanim, c'est pour ça que c'est le principe des Kodesh Kodashim. À la différence des Kodashim Kalim. Les Kodashim Kalim qui ont une sainteté plus simple, on est beaucoup plus cool sur l'endroit où les égorger. Et puis après, une fois qu'on les égorge, souvent, le propriétaire pourra lui-même manger une part. On fera brûler quelques graisses sur le Mizbeach, c'est ce qu'on appelle les Imurim, on va l'évoquer de nouveau dans notre Mishnah. On va en parler, mais le but du korban, c'est d'être mangé par le propriétaire, ou au pire, même par les kohanim. Mais même quand c'est mangé par les kohanim, c'est pas que... C'est plutôt... Les kohanim, ils ont le droit de le manger dans tout Yerushalayim. Ce qui prouve quelque part que... Si je peux exprimer, je ne l'ai pas vu écrit, mais c'est mon sentiment, avec tout ce que j'ai étudié sur le sujet, dans mon temps de libre et tout ça, que quelque part, le Kodesh Kodashim, la viande elle-même, elle est offerte à Hachem. Hachem, après, il décide de la donner à ses serviteurs. À la différence des Kodeshim Kalim, c'est directement un don pour le serviteur. Alors, c'est sûr qu'il faut prélever un petit truc et le donner au roi. Mais dans leur nature, les Kodeshim Kalim, ils sont faits pour être mangés. Pour être mangés, en donnant une petite part à Hachem. La Gemara appelle ça dans plusieurs endroits avec les Kodeshim Kalim, c'est Mamon Be'alim. C'est un bien matériel qui appartient au propriétaire. C'est-à-dire, si je veux sanctifier un Korban Ola, et ça a toutes les différences qu'on va directement, je vais l'introduire, c'est le point essentiel de notre Mishnah. Lorsque je vais sanctifier un korban Ola ou un korban Khatat ou Hacham, dès lors l'animal est devenu Kadosh, il appartient à Hachem. Et quoi? Et alors, c'est lui qui va en tirer profit, il va transgresser un grave interdit.
À la différence des Kodashim Kalim, lorsque je vais le sanctifier pour être un Korban Shlamim, pour être un Korban Toda, eh bien, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Il y aura certes Tosfot qui prouve qu'il y a quand même un certain interdit. Mais c'est plus un interdit de Meïla, c'est plus l'interdit du grave sacrilège. Parce que dans sa nature, dans son essence, le Kodashim Kalim, c'est un animal qu'il va falloir prélever un truc pour le donner à Hachem. Mais dans sa nature, c'est un animal, c'est de la viande qui est consommable par le peuple. C'est pas consommé par le roi. C'est consommé par le peuple en lui donnant une part au roi. D'accord? Vous voyez là un petit peu la différence? C'est pour ça que c'est du mammon béalim. C'est un bien qui appartient au propriétaire. On pourra, la gemara de rapport dans Kiddushin, on peut marier une femme. On peut acheter. C'est un bien matériel. Même s'il y a une certaine gloucha, c'est un bien matériel, ben, comme je pourrais. Si j'ai un Sefer Torah, par exemple, il est kadosh, c'est sûr. Mais c'est un bien personnel, celui qui me le vole, il devra me rembourser, le prix du Sefer Torah. Je peux l'utiliser pour faire des transactions. C'est un bien, c'est une valeur monétaire. Même s'il y a une gdusha. Et bien le Kodashim Kalim, c'est un peu le même principe. De ce fait, c'est là tout le but de notre Mishnah, de nous dire que le Kodashim Kodashim, dès que tu le sanctifies, il devient super kadosh. Il y a un interdit de Meïla tout de suite. Le Kodashim Kalim, lorsque tu le sanctifies, il n'y aura pas encore l'interdit de Meïla. D'accord? Maintenant, deuxième étape. Une fois qu'on a fini de sanctifier le Korbanot, on n'a toujours pas fait le Korban, on n'a toujours pas fait le sacrifice, il faut l'apporter au Beth Amikdash. Et lorsqu'on va l'apporter au Beth Amikdash, on va récupérer le sang, on va l'asperger au Mizbeach. Et alors, selon le cas, la Torah va me dire tu fais monter certaines parties sur l'autel, et la viande, elle sera soit consommée par le propriétaire, soit consommée par les Kohanim. Selon le cas, est-ce que c'est Kodesh Kalim, ou parfois la viande est entièrement brûlée sur le misbéach. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de préciser. La graisse que l'on va faire monter sur le misbéach, elle, alors c'est sûr que sur cette graisse-là, c'est la partie qu'on donne au roi, à Hachem, s'il y a quelqu'un qui va oser la manger, cette graisse. Dans tous les cas, même dans la Kodesh Kalim, c'est sûr qu'il va transgresser l'interdit de Meïla, parce que cette fois-ci, tu manges le plat du roi. C'est grave ce que tu fais. D'accord? Mais alors là, il y aura une différence. Que les Kodashim Kalim, je vous ai dit, quand on l'a sanctifié, il n'est pas encore Kadosh. Il n'a pas encore la Gdusha forte sur laquelle on transgresse l'interdit de Meïla. C'est pour le moment, c'est mon bien. C'est un bien qui a une sainteté. Jusqu'à que je l'apporte au Beth Amikdash. Lorsque je l'apporte au Beth Amikdash, et qu'on va faire la Shrita, Kabbalah, voilà, Chazrika, on va réceptionner ça, on va l'asperger sur le Mizbeach. Lorsqu'on finit d'asperger sur le Mizbeach, maintenant, j'enclenche, je démarre. Une obligation, une mitzvah, de sortir les graisses, de prendre les graisses et de les faire monter sur le misbéach. Dès lors, dès que j'ai aspergé le sang, les graisses vont devenir interdites par l'interdit de Meïla. Parce que cette fois-ci, là, lorsque tu vas asperger le sang, cette graisse va devenir maintenant la part du roi. La part d'Hachem, et dans ce cas-là, il y aura un interdit de Meïla. Il s'avère que, regardez quelque chose d'original, dans les Kodashim Kalim, lorsque je vais asperger le sang sur le misbéach, eh bien, va démarrer une gdoucha plus stricte, que au moins pour ces graisses interdites, il y aura un interdit de Meïla. À la différence des Kodesh Kadashim, où finalement, dès que j'ai sanctifié l'animal, il est devenu entièrement kadosh. Si je tire profit, oy va oy, je transgresse un interdit de Meïla. Dès que je vais asperger le sang, alors, c'est vrai que les graisses que je vais devoir apporter sur le misbéach, elles vont rester dans leur grave interdit. Mais la viande qui va devenir consommable par les Kohanim, on apprenait qu'à partir du moment où la viande elle devient consommable par les Kohanim, l'interdit il est levé. Parce que finalement, dès que les Kohanim reçoivent le droit de manger la viande, alors c'est plus la viande qui est spécifique pour le roi. C'est fini, le roi il l'a reçu, et puis maintenant il en a fait cadeau à ses serviteurs à manger. Dans ce cas-là, lorsqu'on va mettre, comme je vous avais dit, on va piquer une frite de l'assiette du serviteur, c'est sûr qu'on transgresse la volonté du roi, il va se fâcher avec nous. Mais en tout cas, on ne transgresse plus le grave sacrilège d'oser prendre le plat du roi. C'est plus le plat du roi, il l'a offert à ses serviteurs. D'accord? Vous avez compris presque toute la Mishnah. On fait tout ça dans les mots. Maase damim bekotche kodashim. Lehakel ou leachmir. L'action, la mitzvah, l'acte que l'on va faire avec le sang, le sang, damim au pluriel. Donc l'acte que l'on fait avec le sang dans les kotche kodashim, dans les sacrifices qui sont super saints, eh bien c'est lehakel ou leachmir. Ça, il va y avoir, pour certaines halachot, ça va alléger, et pour d'autres halachot, ça va devenir plus strict. Ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est soit avec le pigoul notaire intamé, j'avance toute la Mishnah, je l'explique à la fin.
Vous le connaissez déjà de toute façon, mais je préfère d'abord me concentrer sur l'essentiel qui est Meïla, en disant Meïla. D'accord? Donc l'acte qu'on va faire avec le sang va à la fois alléger et aggraver des halachot pour le sang, pour les Kodesh Kodeshim. Tandis que Ube Kodashim Kalim, dans les korbanot plus légers, Kulan Lachmir, dès que tu vas asperger le sang, eh bien l'acte que tu vas faire avec le sang ne va que entraîner des halachot plus strictes, sans rien alléger. En réalité, c'est un trafic, c'est une arnaque. Parce qu'en réalité, la Gdusha des Kodashim Kalim, elle était tout simplement pas forte. Donc, de ce fait, concrètement, sur le papier, il y aura quand même plus de lois strictes. Ou au pire, il y aura les mêmes lois entre les Kodesh Kodeshim et les Kodesh Kalim. Mais malgré tout, le but de la Mishnah est de mettre en exergue que chacun, par rapport à d'où il vient, l'aspersion du sang va avoir une action inverse. C'est-à-dire, pour les Kodesh Kalim, tout était permis, après on va interdire les graisses. Pour les Kodesh Kodeshim, tout est interdit, après l'interdit va rester que sur les graisses. Mais la viande, elle va devenir permise. Ouais. Donc finalement, il se retrouve au même niveau, finalement. La viande, il n'y aura pas d'interdit de Meïla, et la graisse, il y aura un interdit de Meïla. Mais malgré tout, le but de la Mishnah est de mettre l'accent sur le fait que l'aspersion du sang va entraîner un allègement ou les halachotes vont devenir plus strictes pour les Kodesh Kodeshim. En tout cas, Ketsad, comment est le cas? Kodesh Kodeshim, les Fnezer Kadamim. Là, un korban, on parle de Khatate Hacham, qui est avant d'asperger le sang. Zrikat damim, le fait de jeter, asperger le sang sur le misbéach. Noalin, be'emurin ou babassar. Pour le moment, dès que j'ai sanctifié l'animal et que j'ai pas encore aspergé le sang, eh bien, on transgresse l'interdit des sacrilèges avec le emurin et bassar. Emurin, c'est les graisses que la Torah, elle a dit qu'il faut brûler sur le misbéach. Et bassar, c'est avec la viande, toute la chair. La achar zrikat damim, après que l'on a aspergé le sang sur le misbéach, Mo'alin be'emurim, on transgresse l'interdit de Meïla, du sacrilège, avec les graisses interdites. Je vous ai dit, le mot emurim, c'est les graisses interdites, ça vient du mot les morts, maché amour, ce qui a été dit. D'accord? Je sais pas pourquoi. On a créé un petit mot original. Ce que je t'avais dit, tu te rappelles? Ce que je t'avais dit, c'est devenu les emurim, c'est ce qui a été dit. La traduction littérale du mot emurim, c'est ce qui a été dit. C'est les graisses qui ont été prescrite par la Torah de brûler sur le misbéach. Je reviens sur la Mishnah. Donc, après qu'on a aspergé le sang, on transgresse l'interdit de Meïla sur les graisses, Ve'en Mo'alin Babassar, mais on ne transgressera plus l'interdit de Meïla sur la viande. Il s'avère donc que pour le moment, le fait d'asperger le sang sur le misbéach a allégé les halachot. Et donc, ça c'était Léakel. Malgré tout, Alze Ve'alze, Chayavin Mishum Pigol Notar Vetame. Maintenant, qu'il s'agisse de la viande ou qu'il s'agisse de la chair, eh bien, après aspersion du sang, on peut être confronté à l'interdit de pigoul notar et tamé. Sur toute la viande, il y aura quand même l'interdit de pigoul notar et tamé. C'est-à-dire que le fait d'avoir aspergé le sang va maintenant donner une certaine gloucha à la viande, que si la viande va devenir impure ensuite, et que je la mange quand même, je pense que c'est l'interdit de tamé. Si je dépasse la limite permise, c'est l'interdit de notar, la limite du temps. Ouais, j'étais limité un jour, une nuit, par exemple, j'ai dépassé la nuit. Eh bien, je transgresse un interdit non notar, grave interdit de carette. Ou encore, pigoule, c'est si au moment où je fais la shrita de l'animal, où j'espère que je le sens, je le fais avec une mauvaise intention de le manger au-delà des limites de temps permises, et un interdit de pigoule, cet interdit de pigoule va s'appliquer sur alzé ve alzé, sur la viande comme sur les graisses. Ok? Donc là, c'est le côté aspersion du sang qui a entraîné un aggravissement, je ne sais pas, je trouve pas le mot. Un aggravement des halachot. D'accord? Donc il s'avère en fait que asperger le sang va tantôt alléger les halachot par rapport à l'interdit de Meïla, tantôt aggraver les halachot par rapport à l'interdit de Pigoul Notar Etamé. Tandis que, au Bekodashim Kalim, pour les sacrifices qui ont une sainteté plus légère, eh bien, Kolan Lachmir, l'aspersion du sang va ne faire qu'aggraver les halachot. On ne va rien alléger. Kodash Keitzad, comment se présente le cas? Kodashim Kalim, les korbanot plus légers, donc Shlamim, Toda, Bechor, Maaser, Pesach, Lifnei Zrikat Damim, avant que l'on asperge le sang, pour le moment, En Moalin, Lo Baemurin, Velo Babassa, on ne transgresse l'interdit de Meïla, ni dans les graisses interdites, ni dans la viande, parce que je vous expliquais que les Kodashim Kalim, tant qu'on n'a pas fait le korban concrètement, c'est encore la propriété du propriétaire, c'est encore à moi. À la différence du Kodesh Kodeshim, lorsque je vais le sanctifier, c'est plus à moi. Ça y est, il est déjà offert, il appartient à Hachem.
j'ai un devoir face à lui de l'amener au Beth Amikdash. Mais c'est plus mon bien. Là, dans les Kodashim Kalim, ça reste mon bien. D'accord? La Chaz et Kadamim, par contre, une fois qu'on va finir d'asperger le sang, Moalin Be'emourin, on va transgresser l'interdit de Meïla face aux graisses interdites. Aux graisses, ça va faire brûler sur le Mizbeach. Là va débuter l'interdit de Meïla sur ces graisses. Tandis que Ve'en Moalin Babassar, tandis qu'il n'y aura toujours pas de Meïla dans la viande, c'est normal. Parce que c'est une viande qui est consommable par tout le peuple. Ve'alze, ve'alze, ve'alze. Qu'il s'agisse des graisses ou qu'il s'agisse de la viande, on sera bien évidemment, on transgresse l'interdit de Chavin Mishum Pigul Notar Vetame, l'aspersion du sang mal faite ou bien faite, mais qu'après il y aura eu un problème dans le corban par rapport à Notar et Vetame, eh bien, le fait d'avoir aspergé le sang va déclencher maintenant la possibilité, l'exposition à ces interdits de Pigul Notar Vetame. Nimtza, il s'avère donc, comme ce qu'on a dit, que Maased Amim, que la mitzvah faite sur le sang, Bekoche Kodashim, dans les korbanot qui ont une sainteté forte, Khatate Hasham, Léakel ou l'Achmir, ça va à la fois alléger certaines halachot et à la fois entraîner d'autres halachot plus strictes, par rapport au Pigul Notar Vetame, tandis que au Bekodashim Kalim, tandis que pour les korbanot plus légers, Kulo l'Achmir, toutes les halachot, l'aspersion du sang va entraîner que d'halachot plus strictes. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Salah.